Bienvenue à cette leçon sur les consignes. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de, premièrement, repérer les verbes de consigne et deuxièmement, identifier les différentes tâches que tu devras faire. D'abord, je te propose de jeter un coup d'œil à ces images. Je suis sûre que tu as déjà vu au moins une de ces images quelque part. Il y a souvent quelques mots qui accompagnent ces panneaux. Sais-tu comment on appelle cela? Des consignes. Mais que peut bien vouloir dire une consigne? Et quelle est son importance? Interdiction de nager. Donc, pas le droit de nager. Imagine qu'une personne se retrouve à la mer, mais qu'il ne lit pas bien ce panneau. Donc, il ne comprend pas l'interdiction. Il décide d'aller nager. Que peut-il se passer? Eh bien oui, il risque d'avoir des problèmes ou même de se noyer. Alors, tu vois bien que lire et comprendre une consigne est nécessaire. Tu vois, quand tu ouvres ton manuel, les consignes se trouvent généralement au début des activités. Mais très souvent, on les voit sans pour autant porter une grande attention. Regardons par exemple la première activité de ton manuel qui se trouve à la première page. Tu vois cette phrase qui se trouve au début de l'activité? Exactement, celle-là. Complète le tableau ci-dessous pour indiquer les quatre compétences que tu peux acquérir si tu apprends le français. Eh bien, c'est cela la consigne. Cette phrase, c'est l'instruction qui t'est donnée au début de ton activité pour que tu saches ce que tu devras faire comme travail. Donc, comment savoir quoi faire quand tu te retrouves devant ton manuel? Voilà quelques astuces. D'abord, tu dois lire la consigne du début à la fin. Voici une consigne qui se trouve à la page 6 de ton manuel. Cherche un crayon et aiguise-le. Puis, tu soulignes les verbes de consigne qui te disent ce que tu dois faire comme tâche. Cherche, aiguise. Ensuite, tu numérotes les tâches après avoir souligné les verbes de consigne. Donc, que devras-tu faire comme tâche en premier? Cherche. En deuxième, aiguise. Alors, en bref, que dois-tu faire? Tu dois premièrement chercher un crayon, puis tu prends un aiguisoir pour aiguiser le crayon. Mais lire une consigne du début à la fin demande un peu d'effort. Alors, n'hésite pas à demander de l'aide pour pouvoir lire les consignes. Ton enseignant, tes amis, tes parents et autres personnes sont là pour t'aider. Nous avons vu qu'après avoir lu la consigne, tu devras identifier le verbe de consigne. Mais qu'est-ce qu'un verbe de consigne? C'est le verbe qui te dit quoi faire comme tâche. Alors, comment fais-tu pour identifier les verbes de consigne? Tu vois, la plupart des verbes de consigne sont à l'impératif. C'est un temps verbal que tu as appris dans une autre vidéo. Parfois, c'est écrit à la deuxième personne du singulier, comme pour s'adresser à un « tu ». Justifie ta réponse. D'autres fois, c'est écrit à la deuxième personne du pluriel, comme pour s'adresser à un « vous ». Justifiez votre réponse. Mais tu verras que dans ton manuel, la plupart des consignes est à la deuxième personne du singulier, parce que les instructions te sont adressées. Prenons quelques exemples des verbes de consigne que tu retrouveras dans ton manuel et essayons de les comprendre. Lis. Tu devras lire. Réponds
Tu devras donner une réponse complète. Tu devras trouver la suite des réponses. Passons à un autre niveau maintenant. Analyse. Tu devras dire ce qui est important. Applique. Tu devras mettre en pratique ce que tu as compris. Cite. Tu devras faire une liste. Définis. Tu devras donner des précisions. Étudie. Tu devras regarder attentivement et voir ce qui est important. Identifie. Tu devras dire ce que c'est. Illustre. Tu devras donner plus d'exemples à ta réponse. Rédige. Tu devras écrire quelques lignes ou un paragraphe sur un sujet précis. Reformule. Tu devras écrire une réponse avec tes propres mots et en plus simple. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a un verbe dans une phrase que c'est un verbe de consigne. N'oublie pas, un verbe de consigne, c'est un verbe qui te dit ce que tu as à faire comme tâche. Penses-tu que toutes ces phrases sont des consignes? Vous écoutez la radio? Non. Écoutez ce texte attentivement. Oui. Les élèves cochent toutes les cases. Non. Coche la bonne réponse. Oui. Dis ce que tu penses de ce personnage. Oui. Écrivez un paragraphe sur votre passe-temps favori. Oui. Cette fille invente souvent des histoires drôles. Non. Tu remplaces souvent ton ami. Non. Remplace les tirets par un adjectif. Oui. Alors, une fois que tu as pu identifier les verbes de consigne, tu pourras numéroter les tâches à faire dans l'ordre. Mais pour cela, n'oublie pas de bien réfléchir avant d'agir. Laisse-moi voir si tu arrives à lire une consigne correctement. Alors, que fais-tu en premier? Très bien. Tu lis du début à la fin. Observe, identifie et classe les verbes dans leurs catégories respectives. As-tu trouvé les verbes de consigne? Oui, c'est bien ça. Observe, identifie, classe. Maintenant, as-tu numéroté tes tâches? Donc, la première tâche est observe, la deuxième tâche est identifie et la troisième tâche est classe. En bref, tu regarderas attentivement chaque verbe, tu sauras dire ce que c'est et ensuite tu pourras mettre le verbe à la place qui convient. Alors, rappelle-toi bien des trois règles. Tu lis la consigne du début à la fin. Tu soulignes les verbes de consigne. Tu numérotes les tâches. Nous allons maintenant faire une activité. Tu devras identifier, souligner et numéroter le ou les verbes de consigne. Première phrase. Lis ce texte à voix haute. Très facile celle-là.
Donc, as-tu pu identifier le verbe de consigne? Le verbe de consigne est lit. Et combien de tâches y a-t-il? Évidemment, il n'y a qu'une seule tâche à faire. Tu devras lire. Deuxième phrase. Imagine un paysage fleuri et décris-le. Ne dépasse pas les 300 mots. Donc, quels sont les verbes de consigne? Les verbes de consigne sont imagine, décrit, dépasse. Les trois tâches à faire sont-elles dans le bon ordre? Effectivement, tu devras imaginer un paysage, puis décrire ce paysage imaginé et surtout ne pas dépasser la limite de mots. Troisième phrase. Réponds aux questions qui suivent en justifiant tes réponses. Quels sont les verbes de consigne? Les verbes de consigne sont répond, justifiant. Et les deux tâches sont dans le bon ordre. Tu devras répondre aux questions et aussi justifier tes réponses, c'est-à-dire donner des raisons pour lesquelles tu as choisi d'écrire ces réponses-là. Quatrième phrase. Écris les instructions après les avoir écoutées attentivement. Quels sont les verbes de consigne? Les verbes de consigne sont écrit et écouter. Attention, où as-tu placé le chiffre 1? Ici, les deux tâches ne sont pas dans le bon ordre. Tu ne pourras pas écrire quelque chose si tu n'as pas écouté avant. Tu devras écouter les instructions avant de pouvoir les écrire. Donc, la première tâche est écouter les instructions attentivement. Et la deuxième tâche est écrire les instructions. Voilà, maintenant tu es prêt à ouvrir ton manuel et à bien lire les consignes avant de travailler les activités. À bientôt!